Ce matin, nous avons deux parties dans nos auditions. Dans une première partie, nous entendons des associations et des organismes compétents en matière d'adoption. Je vous rappelle que la semaine prochaine, nous entendrons le Conseil supérieur de l'adoption, je crois que ça s'appelle comme ça. Et ensuite, nous entendrons deux philosophes, M. Collin et Mme Magazinski. Voilà. Donc là, nous avons une heure et demie jusqu'à 10h30. Et je donnerai successivement la parole aux associations qui sont ici présentes pour un exposé liminaire de pas plus de 10 minutes chacune, sinon, bon, ça sera peut-être un peu. Afin que les sénatrices qui sont là déjà et les rapporteurs et ceux qui viendront puissent vous poser des questions. Donc, nous avons ici la Fédération française des organismes autorisés pour l'adoption, qui réunit des organismes habilités pour servir d'intermédiaires tant pour les associations, pour les adoptions nationales qu'internationales. Et je remercie sa présidente, Madame Marie-Claude Friot, d'être venue à notre rendez-vous ce matin. Ensuite, nous avons trois associations compétentes en matière d'adoption. Le Mouvement pour l'adoption sans frontières, avec son président, Monsieur Lasserre. Ensuite, l'association... Alors, je ne sais pas, Monsieur Lasserre, si vous appelez Eric ou Marc. Marc. Bon, voilà. Alors, moi, on met Eric, donc c'est Marc Lasserre. Parce que hier, nous avons eu c'était plus comme ça pour se détendre un peu le matin. Nous avons entendu des psychanalystes. Alors, les psychanalystes, c'est pire que le monde de l'adoption, je suppose. Et donc, nous avions un psychanalyste dont nous, on avait. Le prénom n'était pas le bon prénom. Voilà. Il s'appelle Daniel, on avait mis Jean Daniel. Et donc, ça lui a posé un vrai problème psychanalytique pendant 10 minutes. Voilà. Donc, c'est Marc Lasserre. Oui. Ensuite, nous avons l'association Enfance et Familles d'Adoption, avec Mme Nathalie Parent, qui est sa présidente, et la voix des adoptés par Mme Cécile Février, qui va vraisemblablement arriver plus tard, car nous l'avons contactée que hier, je crois, ou avant-hier, je ne sais plus. On a eu un peu de retard dans ce contact. Mais si elle arrive, elle prendra place, et elle, voilà. Et puis, nous avons des vice-présidentes ou des membres du conseil d'administration de ces associations qui sont ici. Mesdames, je m'excuse, parce que là, c'est un peu compliqué. Mais si vous voulez répondre à des questions qui seront posées ensuite, bien entendu, vous aurez la parole. Donc, sans plus tarder, Madame Rio, je vous laisse la parole. Là, je crois. Je suis là. Voilà, oui. Monsieur le Président, Monsieur le Rapporteur. Alors, excusez-moi. Juste un mot, puisque vous dites Monsieur le Président. Je dois excuser le Président de la Commission des lois, Monsieur Jean-Pierre Scheur, qui d'habitude préside ces auditions, puisque ce sont des auditions de l'ensemble de la Commission, mais qui ce matin est, vous savez, à la conférence du consensus organisée par Mme la Garde des Sceaux sur la récidive, etc. Et donc, il sera pas là ce matin. Donc, Monsieur le Rapporteur, Mesdames et Messieurs les Sénateurs, je vous remercie au nom de la Fédération française des organismes autorisés pour l'adoption, la FFOA, d'avoir bien voulu nous recevoir et d'apporter une écoute attentive aux acteurs de l'adoption que sont les organismes autorisés pour l'adoption. La Fédération française des organismes autorisés pour l'adoption regroupe 26 organismes autorisés pour l'adoption que nous nommerons maintenant OA pour plus de simplicité, soit plus de la moitié des organismes privés d'adoption. Les OA sont des opérateurs privés qui assurent une mission de service public comme intermédiaires qualifiés pour l'adoption de mineurs résidant en France ou à l'étranger. La FFOA, interlocuteur des pouvoirs publics, est membre du Conseil supérieur de l'adoption, le CSA, et de l'Agence française pour l'adoption, l'AFA, qui est l'opérateur public. Les OA de la FFOA disposent d'une expertise incontestable en matière d'adoption. Expertise due à l'ancienneté des OA, les plus récents OA de la Fédération ayant 20 ans d'ancienneté. Cette ancienneté a permis d'accompagner à long terme des postulants à l'adoption, des familles adoptives très diverses, des enfants adoptés, devenus adolescents, puis adultes. La FFOA dispose également d'une expertise du nombre d'enfants accueillis. 53% des enfants adoptés par l'intermédiaire des opérateurs privés le sont par les OA de la Fédération. Dans le contexte médiatique qui entoure le projet de loi Mariage pour tous, se côtoient et s'enchevêtrent plusieurs notions. Homophobie, homosexualité et homoparentalité. Les membres des OA s'accordent sur le respect de la liberté
de toute personne à aimer une personne de même sexe ou de sexe opposé. Il n'appartient pas aux membres de la FFOA de prendre position pour ou contre le mariage des couples de personnes de même sexe. L'ouverture de l'adoption à ces couples est par contre, pour nous, source de questionnement. L'homoparentalité fait déjà partie du cadre de l'adoption. Célibataires qui adoptent ou célibataires qui ont un conjoint de même sexe, conjoint qui n'apparaît pas dans les procédures d'adoption. Il nous a donc déjà été donné de réfléchir à l'homoparentalité. La FFOA souhaite apporter son concours et sa réflexion sans mettre en doute les capacités affectives et éducatives des couples de même sexe, la nécessité d'un encadrement juridique de leur union, la nécessité d'apporter une sécurité juridique aux enfants du conjoint. L'enfant adopté est à la fois comme les autres et porteur de différences. Il est aussi porteur d'un passé. Dans le débat passionnel d'où l'ouverture de l'adoption aux couples de personnes de même sexe, les membres de la FFOA ont orienté leur réflexion sur trois des axes de leur charte éthique, à savoir la responsabilité des OA à l'égard des enfants, la responsabilité des OA à l'égard des candidats à l'adoption et la responsabilité des OA à l'égard des pays d'origine. À l'égard des candidats à l'adoption. Le mariage pour tous donnera le droit d'engager des démarches en vue d'adoption. La loi obligera à examiner sans discrimination les demandes de candidature des couples de personnes de même sexe s'ils répondent aux conditions requises. Les responsables d'OA n'ignorent pas la douleur de tous les couples confrontés à l'infertilité et à leur profond désir de fonder une famille. Cependant, force est de constater que dans le contexte actuel et à venir de l'adoption, l'aboutissement de tout projet d'adoption est incertain. L'agrément délivré aux adoptants n'a pas pour corollaire l'arrivée d'un enfant. En 2012, 1569 adoptions internationales ont été enregistrées pour environ 24 000 candidats en attente. Le risque de non-aboutissement des demandes de couples de personnes de même sexe est donc important. Ces couples auront-ils de réelles possibilités de construction de famille par filiation adoptive? Dans le cadre de l'adoption nationale, les OA qui accompagnent les femmes désirant confier leur enfant à l'adoption s'attachent à respecter le souhait de ses mères. Combien de femmes souhaiteront effectivement confier leur bébé à des couples de personnes de même sexe? Le projet familial des couples de même sexe ne sera pas différent de celui de toutes les personnes qui ont accès aujourd'hui à l'adoption. Le désir de fonder une famille est légitime. Le désir d'adopter un enfant jeune et sans handicap important l'est tout autant. Dans les pays d'origine, les mesures de protection de l'enfance et l'adoption nationale se développent. Les enfants en bas âge et en bonne santé trouvent une famille adoptive dans leur pays de naissance. C'est le principe de subsidiarité. La probabilité est grande, voire très grande, pour que les propositions d'enfants portent sur des fratries de plus de 3 enfants. Des enfants grands, 6 ans, 8 ans et même plus. Des enfants porteurs de handicap. Autant d'adoptions à risque, tant pour les enfants que pour les couples. Dans les pays partis à la Convention de la Haye, au moment du jugement, l'enfant donne son accord à l'adoption. L'enfant donnera son accord pour partir avec deux papas ou avec deux mamans. Il donnera son accord pour avoir une famille. Famille qu'il n'a cependant pas conceptualisée. Aucune mesure n'est prévue pour préparer
puis ensuite encadrer ces adoptions à risque. L'adoption par les couples de même sexe ne peut être une adoption par défaut. Adopter un enfant grand, adopter une fratrie de grands enfants parce qu'il n'y a pas d'autre possibilité de fonder une famille n'est pas envisageable. Le projet d'adoption doit être cerné et en adéquation avec les capacités des familles. L'enfant doit pouvoir se développer dans un milieu harmonieux. La responsabilité à l'égard des pays d'origine. Les OA sont en relation permanente et pérenne avec les pays d'origine. L'expérience des OA permet de décrypter et connaître les critères de sélection des candidats à l'étranger. Les pays d'origine sont souverains. Quelques pays d'origine ont recensé comme pouvant proposer des apparentements aux couples de personnes de même sexe. Ces pays sont l'Afrique du Sud, certains États du Brésil, les États-Unis et le district fédéral de Mexico. En Afrique du Sud, 9 adoptions ont été enregistrées en 2012. Le quota de dossiers est atteint. L'OA à habilité ne peut plus présenter de nouveaux dossiers. Au Brésil, 13 adoptions. À préciser qu'il s'agit de fratries et d'enfants grands et que les OA présents au Brésil pensent ne plus maintenir leur habilitation. Les enfants sont grands, les enfants sont en fratrie nombreuses et ils n'ont pas les familles pouvant les accueillir. Les États-Unis, je crois que les Américains ont déjà leur propre candidat. Au Mexique, 0 adoption depuis 2 ans. La ville de Mexico est excessivement sélective pour l'acceptation des dossiers. Les enfants proposés par le DIF national de Mexico souffrent de pathologies excessivement lourdes. Ces enfants ne correspondent pas au projet des familles. Voilà les pays qui sont proposés comme étant possibles à l'adoption pour les couples de personnes de même sexe. Il y en aura peut-être d'autres. La lecture des chiffres est sans ambiguïté. Peu de familles, de couples, de personnes de même sexe verront se concrétiser leur projet de famille. Leur candidature n'étant pas recevable ou peu recevable et dans des pays peu ouverts à l'adoption. Plusieurs opérateurs partagent la crainte que certains pays d'origine qui acceptent les candidatures de célibataires ferment la porte aux adoptions monoparentales par crainte d'homosexualité non signifiée dans les rapports d'enquête sociale et psychologique. Bien que réfuté par certains, cet argument n'est pas à négliger. Les avancées en matière de modèles de structure familiale sont très différentes d'un pays à l'autre. Un contre-exemple, cependant, peut être donné avec l'Espagne. L'Espagne est le 3e pays d'accueil des enfants et l'Espagne a légalisé le mariage pour tous en 2005. Là aussi, en adoption internationale, on peut se demander quelle famille la mère biologique a souhaité pour son enfant, quelle famille a-t-elle souhaité cette mère biologique ? Sans doute pas une famille qui n'entre dans son schéma familial. Responsabilité à l'égard des enfants. Les enfants sont les premiers concernés. Ce sont eux qui doivent être au cœur de notre mobilisation, indépendamment des évolutions sociales. C'est vers l'enfant et pour l'enfant que doivent converger toutes nos propositions. Les enfants ne peuvent être au cœur d'un débat sur l'égalité des couples. Il est obligatoire que l'adoption fasse l'objet d'une réflexion dissociée du contexte passionnel actuel. Une réflexion centrée sur l'enfant. Une réflexion où l'enfant a sa place en tant que personne. Dire que l'adoption n'est pas un droit à l'enfant est une vérité qui s'applique à tous les types de familles, homo ou hétérosexuelles. Il est aussi essentiel de se souvenir que l'adoption est une mesure de protection de l'enfance. La protection de l'enfance, les OA la revendiquent sur le long terme. L'adoption ne s'arrête pas à l'arrivée de l'enfant. Les OA le savent. Les OA savent que les adoptés ont besoin de se situer pour assumer la différence qu'ils portent en eux, pour assumer une histoire faite de rupture, de séparation et parfois de violence, pour assumer une filiation biologique et une filiation adoptive. Le désir de l'enfant adopté est d'être un enfant comme les autres, malgré ses différences.
La famille constituée par deux personnes de même sexe sera une différence supplémentaire à assumer. Les enfants adoptés sont régulièrement interpellés sur leurs vrais parents et sur leurs faux parents. Ils auront aussi à répondre de parents identiques. La discrimination ethnique existe dès la cour de récréation. Elle risque d'être amplifiée par la discrimination familiale. Amplifiée aussi lorsque l'enfant devenu adolescent puis adulte fournira un acte de naissance spécifique. Tout enfant adopté a besoin qu'un jour son histoire d'adoption s'arrête. Son adoption ne regarde que lui. Elle n'a pas à être rendue publique. L'enfant adopté fragilisé par son histoire personnelle, même s'il peut donner l'impression de l'assumer sans difficulté apparente. Un accompagnement par des mesures adéquates doit être facilité pour les enfants et les familles qui le nécessitent. La construction identitaire s'avère souvent difficile pour les adoptés. Faire coexister une filiation biologique et une filiation à l'égard de deux parents de même sexe est un obstacle supplémentaire à l'acquisition des repères stables. Des jeunes ayant des parents de même sexe se sont exprimés, témoignant d'un parfait équilibre et d'un grand respect pour la famille. Ces jeunes ont vécu depuis leur tendre enfance dans un univers aimant et sécur. Certains sont en relation avec le parent de l'autre sexe. Ces jeunes n'ont pas été fragilisés par une enfance violente, par une histoire douloureuse, par des rejets successifs. L'enfant adopté grand, ce qui sera le cas pour l'adoption des couples de même sexe, est un enfant blessé par son passé. C'est là une différence majeure qui doit être prise en considération. La représentation symbolique fait partie de la construction de l'enfant. Elle a souvent été mise à mal chez les enfants adoptés grands. L'identité sexuelle des deux parents peut rendre plus difficile la représentation du référent de sexe opposé. Pour se construire, l'enfant doit s'inscrire dans une lignée filiative faite au départ de différences biologiques. L'identité des sexes ne peut y trouver de sens. Il n'y aura pas de consensus sur la structure familiale à retenir ou à ne pas retenir. Les OA, tout comme les pays d'origine, divergent dans leur approche de la famille idéale. Il y a par contre un consensus sur le droit de l'enfant à vivre dans une famille choisie pour lui et adaptée au parcours qui a été le sien, sur l'encadrement nécessaire à donner à son épanouissement. La réflexion sur l'ouverture de l'adoption aux couples de même sexe doit dépasser le cadre du projet de loi. Les consultations des acteurs de l'adoption ont été trop tardives. Parler de l'adoption, c'est connaître l'adoption à travers le vécu des enfants et des familles, pour éviter tous les amalgames entre vérité contre vérité. La réflexion doit être menée pour l'enfant, en tenant compte de l'évolution du profil des enfants adoptables, des évolutions de la société. Elle ne peut être parcellaire. Toutes les formes de l'adoption nationales, internationales, enfants du conjoint sont à sécuriser. Tous les acteurs de l'adoption sont concernés. Chacun a ses références et ses spécificités. Le projet de loi, aussi polémique qu'il soit, aura peut-être le mérite de rappeler qu'une réforme de l'adoption est nécessaire pour mieux garantir l'intérêt des enfants et l'élaboration de projets parentaux ouverts aux enfants attendus. Merci. Merci à vous, madame, pour cette contribution très intéressante pour nous. Donc, je donne la parole successivement aux trois autres associations. Je ne vous demande pas de diviser votre en 26 le temps de madame Rio, mais je vous demande de parler chacun 5-6 minutes maximum. Désolée. Non, vous représentez 26 associations. Donc, si on... Bon. Voilà, enfin, c'est une plaisanterie. Monsieur Lasset. Je suis plus grosse quand même. Bien, eh bien, nous allons essayer de faire plus court. Le mouvement pour l'adoption sans frontières ne compte, lui, que 9 associations de parents d'enfants de pays d'origine, donc de parents qui ont adopté dans un pays donné, mais représente néanmoins environ plus de 3 000 familles qui ont adopté principalement à l'international.
La France va sans doute autoriser le mariage pour tous, ainsi que l'adoption par les couples de même sexe. Alors, il existe au sein du même ASF, je dirais, des APPO qui en sont membres, des divergences de vues. Et je dirais que les divergences de vues que l'on a vues dans la société française au cours des dernières semaines trouvent leur réplique au sein de nos associations. Le MASF, qui plus est, n'entend pas se positionner sur le mariage pour tous, puisqu'il s'agit d'un sujet qui ne concerne que des adultes et qui est en dehors de notre sphère d'intérêt, même si nous avons tous une opinion. Nous nous centrons avant tout sur la partie du texte, et notre intérêt est avant tout sur la partie du texte qui concerne l'adoption d'enfants par les familles homoparentales. Le premier appel que nous souhaiterions faire, c'est que l'adoption est une institution, comme l'a rappelé Marie-Christine Rio, qui permet à un enfant privé de famille, à la naissance ou plus tardivement, de trouver une famille où il pourra s'épanouir et grandir. Je mentionne à la naissance ou plus tard, car une des choses erronées que l'on entend au sujet de l'adoption, c'est qu'on adopte des orphelins. C'était peut-être le cas en 1923 à la suite de la Grande Guerre, mais ce n'est plus le cas aujourd'hui. Plus de 95% des enfants adoptés ne sont pas orphelins, et je crois qu'il y a dans notre population des erreurs sur ce point. Les familles, donc, dans l'incapacité d'avoir un enfant biologique, n'ont pas droit à un enfant, qu'elles soient monoparentales, homoparentales ou hétéroparentales. Elles ont la possibilité en France de demander un agrément aux fins de se voir confier un enfant en adoption. Le MASF souhaite surtout attirer l'attention des sénateurs et de la Commission sur la véritable portée des mesures envisagées, que je pourrais résumer par ce titre paru récemment sur le site d'un hebdomadaire de grande l'Express, pour lui faire un peu de publicité, « Mariage pour tous et adoption pour personne ». Je crois qu'aujourd'hui, le projet arrive à un moment où l'adoption à l'international, qui est le cœur de notre intérêt, notre principal intérêt, traverse une grave crise. Et aujourd'hui, rien ne permet de penser qu'un projet construit existe pour mettre à mal la tendance que l'on constate depuis plusieurs années, à savoir une baisse significative des adoptions prononcées en faveur de Français à l'étranger. Je vais donc essayer de structurer mon propos assez rapidement. Le premier sujet que je voudrais aborder, c'est l'homoparentalité et l'adoption nationale. Il y a eu en 2011, selon le rapport de l'ONED, 561 enfants proposés à l'adoption. Et je dirais que cette propension est à peu près stable, voire en légère diminution au cours des années. La question que pose le MASF est de savoir comment seront appréciées demain les qualités relatives des familles monoparentales, homoparentales ou hétéroparentales, et quels sont les moyens qui seront alloués à la préparation des enfants et des familles, ainsi qu'au suivi après l'adoption. Le MASF entend défendre les familles adoptives dans leur pluralité, et espère que le projet de loi ne donnera pas lieu dans sa mise en œuvre à une sorte de classement public ou caché de ces familles. Nous voulons également signaler, contrairement à certaines idées reçues, qu'il n'y aura sans doute pas dans ce domaine de bouleversement, comme on entend parfois, puisque dans des pays qui ont autorisé l'adoption par les couples gays et lesbiens, comme la Belgique, depuis 2006, il n'y a eu que 9 adoptions. Donc, sur ce point, je crois qu'il faut se poser la question de quelle sera véritablement la portée du texte. S'agissant de l'adoption internationale, maintenant, la réponse est à peu près la même et dans la ligne de ce que j'exposais préalablement. Je ne reviendrai pas sur les chiffres de Marie-Christine Rio et sur les pays qui permettent l'adoption internationale. Je ne ferai qu'une remarque, mais qui me paraît importante aussi parce qu'elle va à l'encontre d'une idée reçue. On nous dit qu'il n'y a plus d'enfants à adopter à l'international. Ceci est une contre-vérité, puisque les États-Unis ont publié il y a moins d'un mois, et vous pourrez trouver les références sur notre texte, il y a un communiqué de l'Associated Press qui dit qu'il y a 104 000 enfants adoptables aux États-Unis. Alors certes, ils sont généralement afro-américains ou espagnols, mais ils existent, et ces enfants ont également droit à des familles. S'agissant des pays dans lesquels, effectivement, la France fait la majorité de ses adoptions, il est clair là qu'en revanche, l'ouverture d'esprit n'est pas équivalente à la France. Et le premier pays dont sont originaires les enfants adoptés en France, à savoir la Russie,
qui, en 2012, a permis l'arrivée de 235 enfants, a clairement indiqué, par son représentant des droits de l'homme, mais aussi par le délégué du président russe pour les droits de l'enfant, que la Russie souhaiterait revoir le traité bilatéral signé en 2012 et doit trouver, et je dirais, a indiqué également que s'agissant des conventions avec les Britanniques et les Français, les deux pays ayant légalisé le mariage homosexuel, cela réduira les possibilités en Russie. Donc il y a clairement chez certains pays, ne le cachons pas, des peurs vis-à-vis de l'adoption par des couples homosexuels. Alors, je crois que là, il ne s'agit pas de se prononcer sur la vision des différents pays. L'important est de, selon nous, que la France ne cache pas la réalité. Et donc, le MASF réitère le souhait qu'il a déjà exprimé, notamment au Conseil supérieur de l'adoption, que les rapports sociaux établis en vue de l'agrément décrivent de manière transparente les familles, qu'elles soient homosexuelles ou hétérosexuelles. Il nous paraît particulièrement inapproprié qu'un couple ne se déclare pas explicitement dans sa réalité, tant lors de l'agrément que vis-à-vis des autorités en charge de l'adoption, dans le pays d'origine des enfants. Comme l'a rappelé un des plus anciens membres du CSA, l'adoption ne se construit pas sur un mensonge. Le qui me paraît le plus important, et ce qui, selon nous, est la portée majeure du texte qui va être discuté au Sénat, c'est que, finalement, la véritable portée de ce texte en matière d'adoption, c'est l'adoption de l'enfant du conjoint. Les estimations les plus courantes font état d'au moins 50 000 enfants présents aujourd'hui dans des familles homoparentales françaises. Et pour ces enfants, le MASF considère que le projet de loi constitue une réelle avancée puisqu'il permettra de donner un statut aux second parents et donc une sécurité dans le temps aux enfants du couple, comblant ainsi un vide juridique dans lequel se trouvent encore de nombreuses familles. L'adoption de cet enfant se fera soit de façon simple, soit de façon plénière. Il semble que sur la deuxième forme d'adoption qui est plus sécurisante pour l'enfant, il y ait un débat au sein des juristes qui a commencé la semaine passée et donc qui est un peu trop technique pour que nous donnions notre opinion. De façon plus générale, et comme je le disais préalablement, le souci pour nous, c'est l'adoption, sa réalité. Et comme nous l'avons déjà écrit, est-ce que demain l'adoption ne sera pas une fiction ? Nous souhaitons que le futur projet de loi sur la famille, puisqu'a priori le législateur a décidé de scinder les choses en deux, qui devait originellement sortir au mois de mars, nous espérons que ce projet de loi permettra de repenser en profondeur notre modèle de l'adoption. Et notamment, nous insistons sur quatre priorités. La première, réformer et professionnaliser l'adoption internationale. Si l'on regarde aujourd'hui nos organismes agréés pour l'adoption, seuls 4 d'entre eux font plus de 50 adoptions par an. Ils fonctionnent avec peu de moyens. Je ne veux pas ici leur porter de critique. Je dis simplement qu'aujourd'hui, nous n'avons pas des structures qui permettent un maintien du nombre d'adoptions internationales et qui permettent, ce qui nous paraît le plus important, de pouvoir trouver une famille pour des enfants. L'année 2011, selon l'ancien responsable du service des adoptions internationales, devait être l'année des OAA. Nous n'avons rien vu. Nous voudrons également, deuxième priorité, réaffirmer la prééminence de l'adoption plénière comme meilleure protection des droits des enfants. Celle-ci, en effet, permet l'égalité entre les modes de filiation, même si, souvent, on considère l'adoption comme une filiation de seconde zone, que ce soit dans les médias ou dans les tribunaux, et comme en témoigne notamment le refus des conversions en plénière des adoptions des enfants venant d'Haïti. Et nous voudrions également que l'on n'oublie pas les axes de la proposition de loi Tabarot, notamment en matière d'enfance délaissée, qui avait pour effet de permettre, de permettre aux enfants d'accéder plus facilement au statut de pupille de l'État et possiblement ensuite d'être adopté. Je ne m'étendrai pas, eu égard aux contraintes de temps, sur la réforme et la professionnalisation de l'adoption internationale. Je dirais simplement que, contrairement à certains pays proche de la France et notamment l'Italie, la France a vu au cours des 3 dernières années son nombre d'adoptions internationales passer de près de 4 000 à 1 569 en 2012. Et il serait bon de s'interroger sur les raisons de cette décroissance, certes, au niveau international, on note également une réduction des adoptions internationales, puisqu'elles sont passées également
globalement au niveau mondial de 30 000 à 22 000 au cours des dernières années. Simplement, la France va beaucoup plus vite dans cette réduction et contrairement à des idées reçues, je ne pense pas, même si la Russie nous a indiqué qu'elle serait le contraire, que l'arrivée de la loi mariage pour tous va changer la donne puisque nous sommes déjà en décroissance plus forte que les autres. La seule remarque que l'on pourrait faire et qui me paraît intéressante à ce sujet, c'est justement que lorsqu'on parle de cet exemple russe, il y avait en 2011 286 adoptions, dont près de 80% faites par la voie individuelle. Cette année, il n'y en a plus que 235 faites par adoption individuelle, dont 195 faites par adoption individuelle, donc à peu près 80%. Et il n'y a eu que deux OA qui ont fait des adoptions en Russie cette année pour 35. De par la convention bilatérale qui a été signée entre la France et la Russie, on peut donc prévoir que si la France ratifie cette convention prochainement, eh bien nous passerons d'environ 235 à environ 50, car je ne pense, sans porter encore une fois atteinte aux qualités des OA, que les OA ne pourront pas faire de 35 à 200 adoptions l'année prochaine. Je pense qu'elles n'en ont pas les moyens. Finalement, et pour conclure, nous voudrions réaffirmer la prééminence de l'adoption internationale et nous pensons que aujourd'hui, face aux attaques qui lui sont portées, nous voudrions rappeler cinq choses. Premièrement, l'adoption plénière est l'adoption qui est prévue dans la majorité des États de l'Union européenne. Seuls les Belges ont une adoption plénière et une adoption simple. Et donc, à la lecture de cette loi ou de la loi sur la famille, nous demandons pourquoi ce qui marche très bien dans les autres pays européens ne marcherait pas en France. Deuxièmement, la convention de La Haye à laquelle la France est partie prévoit que les États d'accueil des enfants adoptés doivent prononcer une adoption rompant les liens avec la famille d'origine si l'État de l'origine de l'enfant a prononcé une adoption en portant une telle rupture. Si demain il devait y avoir une nouvelle forme d'adoption, on entend ceci, la question que nous nous posons c'est est-ce que cette nouvelle adoption sera conforme à la convention de La Haye ? Troisième point. Il nous paraît important de rappeler que dans l'adoption plénière, aucun secret n'est maintenu vis-à-vis de l'adopté. S'agissant de l'adoption internationale, l'acte intégral de naissance mentionne l'adoption et le lieu de naissance réel de l'enfant. Ce sont les extraits de naissance qui taisent, à juste titre selon nous, l'adoption, qui n'a pas à être affichée sur un texte public, puisqu'elle appartient à l'histoire intime de l'adopté. Et pour finir, nous avons indiqué, et si vous avez... nous avons signé avec EFA, qui se trouve à notre droite, et la Voix des Adoptés, ainsi que Racine Coérenne, une deuxième association d'adoptés, une tribune le 24 janvier dernier, dans laquelle nous mentionnons notre attachement à la plénière dans l'intérêt prioritairement des enfants. Et nous rappelons que si la France veut se donner les moyens, elle a un outil qui s'appelle le CNAOP, qui aujourd'hui ne s'intéresse qu'aux adoptions nationales, mais qui pourrait valablement étendre son champ d'action, avec néanmoins certaines limites. Lorsqu'au Kazakhstan, on dépose un enfant, on est susceptible de la peine de mort. Il sera donc difficile pour nos enfants venant du Kazakhstan de remonter les origines de l'enfant, puisque, et majoritairement dans les cas, le père est absent et c'est la femme qui abandonne l'enfant, il y a fort à croire que les femmes auront du mal à donner leur identité, puisqu'elles sont susceptibles de la peine de mort dans ce pays. Je vous remercie. Merci pour ces éléments complémentaires, on peut dire. Donc, Madame Parent, vous avez la parole. Merci, monsieur. Je vous remercie de me recevoir au nom des 9000 familles actuellement adhérentes à EFA et des 200 000 enfants adoptés dont les parents ont rejoint EFA depuis sa création il y a 60 ans. Ces 9000 familles sont constituées de familles adoptives, de candidats à l'adoption et d'adoptés majeurs. En quelques mots, EFA est un mouvement apolitique, laïque et indépendant qui regroupe 93 associations départementales. Nous siégeons dans les conseils de famille des pupilles de l'État et dans une majorité de commissions d'agrément des conseils généraux. Au niveau national, nous sommes membres du Conseil supérieur de l'adoption, du Conseil national pour l'accès aux origines personnelles et du comité de suivi de l'Agence française de l'adoption. Photographie de la société d'aujourd'hui, les familles adhérentes à EFA sont des familles monoparentales, mariés, divorcés, recomposés, multi-recomposés, hétérosexuels ou homosexuels, en concubinage ou pacsés, athées, de religion catholique, protestante, musulmane, juif, etc. Parmi celles-ci, certaines s'inquiètent d'une évolution des schémas familiaux qui bousculent leur représentation. D'autres y voient la possibilité de proposer une palette élargie de familles à des enfants qui attendent.
D'autres encore hésitent, oscillent, s'interrogent ou n'ont pas d'opinion. Néanmoins, une conviction fait consensus. Nul n'a le droit d'instrumentaliser les enfants, de les brandir comme des étendards, que ce soit ceux qui s'opposent à l'évolution législative ou ceux qui la soutiennent. Or, ce sont aujourd'hui les enfants qui sont les premières victimes de ce débat, que ce soit ceux qui vivent dans des familles homoparentales et ou ceux qui sont adoptés. Il semble indispensable de revenir dans ce débat à la protection de l'intérêt de l'enfant privé de famille et non d'exacerber la revendication d'un droit à l'enfant des adultes. Il s'agit bien ici du droit de l'enfant à avoir une famille, mesure de protection de l'enfance pour un enfant qui en est dépourvu, tel que prévu dans la Convention internationale des droits de l'enfant de 1989. Plus qu'une égalité de droit entre les adultes, nous devons garantir les droits de l'enfant privé de famille. Les débats autour de ce projet de loi ont fait émerger des croyances indignes, diabolisant toutes les formes de familles non biologiques et ont fait apparaître les familles adoptives comme des familles fictives, de fausses familles, la filiation adoptive comme une filiation à risque et les adoptés comme des citoyens de seconde catégorie. Les enfants adoptés et leurs familles méritent mieux que d'être vus à travers le prisme des préjugés et des amalgames. Certains députés ont préconisé l'adoption simple lors des débats à l'Assemblée nationale, au motif qu'elle serait plus respectueuse de l'histoire des enfants et de leur éventuelle recherche d'origine, quelques-uns allant jusqu'à proposer la suppression de l'adoption plénière. L'adoption simple serait, à leurs yeux, plus acceptable, parce qu'elle garde la trace des liens du sang et qu'elle épouse ainsi la vraisemblance de la conception, tout en créant une vraie filiation qui s'ajoute à la première, lorsque la première a été établie, en ne l'effaçant pas. De ce fait, l'adoption, simple uniquement, par des couples de même sexe, apparaîtrait comme moins inacceptable, un moindre mal. C'est oublier tout d'abord que les enfants délaissés, séparés ou retirés à leurs parents, n'attendent pas de la société une solution qui lui serait idéologiquement acceptable, mais une filiation sécurisée à part entière. C'est oublier aussi que l'adoption dans sa forme plénière n'a jamais été en soi un obstacle pour la recherche des origines. Ce n'est pas l'adoption plénière qui rend leur recherche cruelle et aléatoire, c'est uniquement le fait que les parents de naissance n'ont pas laissé de traces pour l'enfant qu'ils ont mis au monde, que ce soit volontairement, comme l'a dit Marc Lasserre, parce que l'abandon est passible de peine de mort dans le pays d'origine. L'adoption plénière, majoritaire à travers le monde, rompt les liens juridiques. Elle ne crée ni l'effacement de ce qui a été dit et acté, ni l'oubli de ce qui a été vécu. Tous les éléments de l'histoire antérieure, quand ils existent, parce que les parents, les services ou les États les ont communiqués, sont conservés dans les dossiers et dans le jugement. C'est oublier enfin que si les conditions juridiques de l'adoptabilité, hormis l'âge, sont les mêmes pour l'adoption simple et l'adoption plénière, l'un et l'autre ne répondent pas aux mêmes vides, aux mêmes besoins, aux mêmes attentes. Et que l'on ne saurait, a priori, considérer que l'adoption simple est une solution acceptable uniquement parce qu'elle maintient l'enfant dans les liens juridiques, qu'il est parfois souhaitable de trancher pour que l'enfant ait une chance de s'épanouir. Aujourd'hui, certains souhaitent aménager le droit de l'adoption à l'aune de la vraisemblance biologique, voire différemment selon les adultes qui la demandent. L'adoption n'est pas une filiation à géométrie variable, inventée pour répondre au manque ou au désir des adultes. Elle est, chaque fois, dans l'une ou dans l'autre de ces formes, la réponse unique pour chacun des enfants au bénéfice duquel elle est prononcée. Si elle doit être plénière ou simple, ce n'est donc que pour lui que la loi doit en tracer les contours et non en fonction de l'orientation sexuelle ou du statut des adoptants. Si l'on peut se réjouir que, contrairement au projet de loi, les règles d'attribution du nom de famille soient identiques pour tous les enfants, quel que soit leur mode de filiation, des questions se posent concernant les actes d'état civil et plus particulièrement les extraits d'actes portant mention de la filiation. Parce que toutes les filiations sont égales et qu'il n'est pas possible de faire apparaître sur des documents destinés à tout public le mode d'établissement de la filiation, les extraits d'actes tels qu'ils existent font
tous les enfants, adoptés ou non, symboliquement nés de leurs parents. Il vaudrait mieux donc, puisque ce sont des extraits faisant mention de la filiation, qu'ils énoncent tous fils d'eux ou filles d'eux. Une demande qu'enfants et familles d'adoption formulaient déjà devant votre commission et devant la commission mixte de l'Assemblée nationale durant les débats de la loi de 1996 portant réforme de l'adoption. Si, comme l'ont laissé entendre le Conseil d'État et certains magistrats, l'établissement des actes d'état civil pour les enfants adoptés plénièrement par des couples de même sexe devait être déclaré anticonstitutionnel, il ne pourrait avoir pour conséquence la suppression ou l'amenuisement des droits des enfants adoptés sous la forme plénière, une discrimination qui serait tout encore plus anticonstitutionnelle. Un acte d'état civil relève de l'intime, quel que soit le mode d'établissement de la filiation. Si le Sénat devait voter ce projet de loi, dans les mêmes termes que l'a fait l'Assemblée nationale le 12 février dernier, les couples de même sexe pourront, tout comme les couples de sexe différents, solliciter un agrément dans les mêmes conditions d'âge et d'année de mariage. Aujourd'hui, on ne peut que constater et regretter que les couples non mariés, quels qu'ils soient, sollicitent un agrément en taisant le plus souvent une partie de leur vie. Si l'on souhaite que l'adoption soit réellement prononcée au bénéfice de l'enfant, on ne peut accepter l'idée qu'il vive avec le partenaire de son parent, sans que celui-ci ne soit entièrement partie prenante dès le départ, ne s'y soit préparé lui aussi, et que ses capacités parentales n'aient pas été vérifiées. La transparence du projet parental est une condition indispensable et nécessaire pour garantir l'inscription de l'enfant dans sa nouvelle famille. Même si aujourd'hui l'adoption par les couples de même sexe concerne principalement l'adoption de l'enfant du conjoint et non l'adoption nationale et encore moins internationale, il est nécessaire que les pouvoirs publics, si le projet de loi est voté, s'assurent que les candidatures des couples de même sexe soient traitées sans discrimination, tant au niveau de la procédure d'agrément que dans les démarches d'adoption en France et à l'étranger, dans le respect des législations. Ce risque de discrimination ne peut être ignoré. Au-delà de sa famille, l'enfant adopté a besoin de s'inscrire dans la société qui l'entoure. Or, le débat actuel accentue les discriminations. Les propos entendus ces derniers temps sont déjà profondément choquants pour tous les enfants adoptés et encore plus pour les enfants actuellement élevés par des parents de même sexe. L'absence de connaissance de son patrimoine génétique n'est pas une tare irréparable. La famille biologique n'est pas vérité et la famille adoptive, fiction. Les enfants adoptés peuvent se construire dans leur famille adoptive, même si parfois cela peut être difficile, comme il peut être impossible de grandir dans une famille biologique, comme en témoigne le nombre important d'enfants placés. C'est aux élus de la République et à travers eux, à la société dans son ensemble, de rendre aux enfants les droits qui leur reviennent. L'adoption est avant tout une mesure de protection de l'enfance, une réponse aux besoins de l'enfant. Elle ne peut être regardée comme la réponse ni à la générosité, ni à la stérilité médicale ou sociale. Les familles du XXIe siècle sont multiples et les enfants qui vivent en leur sein sont tous légitimes et ne doivent pas faire l'objet d'une quelconque discrimination de par leur mode de filiation. Comme les autres familles, la famille adoptive, hétéroparentale, monoparentale et peut-être demain homoparentale n'est pas un artefact. C'est une filiation sociale, tout comme les filiations fondées sur la biologie, qui n'ont socialement d'existence que lorsqu'un acte juridique les constate. Je vous remercie. Merci beaucoup, Madame Parent. Mais nous... Bien. Donc, la parole à Madame Février. Et donc, nous aurons largement une demi-heure pour poser des questions. Monsieur le rapporteur, Mesdames et Messieurs les sénateurs, je tiens tout d'abord à vous remercier au nom de la Voix des Adoptés de l'avoir invité à s'exprimer dans le cadre des auditions consacrées au projet de loi ouvrant le mariage aux couples de même sexe. L'association La Voix des Adoptés, créée en 2005, apolitique et laïque, agit maintenant via 4 antennes depuis 8 ans, Paris, Lyon, Rouen et Toulouse, et des permanences à la maison de l'adoption de Lille et de Lyon. La Voix des Adoptés compte à ce jour 215 adhérents de toute origine, y compris de France, correspondant à de nombreux profils d'adoptés, appartenant à des familles adoptives très variées. Adoption nationale, pupille de l'État, née sous X,
Adoption internationale, quel que soit le continent d'origine, quel que soit le type d'adoption, simple ou plénière, en famille monoparentale, divorcée, recomposée, adoption en fratrie, adoptée grand, etc. Actuellement, toutefois, aucun membre de la voie des adoptés n'est un adopté de famille homoparentale. Cet état de fait ne vient pas d'une volonté de notre association. Il est possible que notre association ne les intéresse pas ou qu'ils n'osent pas nous rejoindre, car pour certains adoptés, sachez, mesdames et messieurs les sénateurs, qu'adhérer ou participer à une association d'adoptés peut être déjà représenté un engagement personnel parfois difficile à franchir. Forte de notre expérience vécue et partagée, la voix des adoptés reste nuancée à propos du projet de loi et souhaite faire part aujourd'hui de quelques pistes de réflexion. Concernant le mariage entre deux personnes de même sexe, la notion de mariage n'impliquant pas forcément celle de l'adoption, j'entends qu'on peut se marier et pas forcément adopter, la voix des adoptés ne se prononcera pas sur le mariage entre deux personnes de même sexe. Dans l'adoption, il se joue une mise en relation d'enfants mineurs avec des adultes, ce qui est différent du contexte du mariage, qui implique deux personnes majeures, indépendantes et en pleine possession de leurs capacités mentales. Dans l'adoption, les droits de l'adulte ne doivent pas se substituer à ceux de l'enfant. C'est le droit de l'enfant qui prime et le droit à l'enfant n'existe pas. Concernant les modifications prévues sur le Code civil dans le cadre de l'adoption par les couples de même sexe, je souhaiterais juste rapidement revenir sur l'état civil de l'adopté qui a été évoqué par Mme Parent précédemment et rappeler effectivement que dans le cadre de l'adoption plénière, la transcription du jugement d'adoption ou dans le livret de famille, les termes « né de » apparaissent, « né de » du parent adoptif. Dans le cadre de l'application de cette loi, les termes pourraient être remplacés par « fils de » ou « fille de », puisque être né de monsieur Y ou de monsieur Z correspondrait à un non-sens physiologique de fait. Je tiens à rappeler que nous nous situons dans le débat, la réflexion et la discussion. Nous pensons que réduire un tel débat sur l'ouverture du mariage et de l'adoption en couple de même sexe ne peut répondre à une réponse tranchée pour ou contre. Notre association, je le rappelle, se situe dans une, de façon apolitique et laïque. Concernant ce projet de loi et l'adoption, la voix des adoptés ne peut s'opposer totalement au projet de loi. Si nous étudions uniquement la variable sexe, l'expérience a montré que certains adoptés ont grandi dans des familles dont les parents étaient de sexe différent et dans un environnement social professionnel élevé, et malgré cela, l'adoption s'est avérée difficile. Les adoptés sont bien placés pour parler de leurs évolutions et de ce qui les rend heureux ou pas. Or, certains adoptés par un couple de parents de sexe différent n'en sont pas toujours sortis indemnes. La réussite, entre guillemets, tout comme l'échec, entre guillemets, d'une adoption ne dépend pas uniquement de la variable sexe des parents, c'est à l'évidence. La même observation peut être faite pour les adoptions réalisées par des célibataires. Certains adoptés ont eu un bon développement post-adoption, tandis que d'autres ont eu plus de difficultés. Nous avons actuellement le recul et l'expérience de terrain pour pouvoir affirmer qu'adopter un enfant en couple hétérosexuel ne signifie pas systématiquement une stabilité de l'enfant et de sa famille. Les familles adoptantes sont également représentatives de l'ensemble des situations familiales existantes dans la population générale, c'est-à-dire des parents adoptants qui se séparent, divorcent, se remarient, se recomposent, et on peut penser à la problématique de l'arrivée des enfants du nouveau conjoint, etc. Il existe aussi des situations de décès de l'un des parents adoptifs. Enfin, l'adoption par des personnes de même sexe vivant en couple existe déjà, mais de façon cachée et taboue, via des adoptions en tant que célibataire. Cette situation actuellement favorise l'absence de préparation et d'accompagnement de l'enfant et du postulant. Il serait important que cette loi permette aujourd'hui de rendre officielle une situation officieuse et permette de mieux accompagner l'enfant et ses parents dans ce type d'adoption. La voix des adoptés ne peut approuver totalement le projet de loi. Dans le sens où il nous semble essentiel de prendre en compte le passé de l'enfant et son profil, notamment le type de cellule familiale dans laquelle il a vécu avant son adoption. A-t-il été adopté grand? Dans quelle culture? A-t-il vécu un certain temps en famille d'accueil, famille au pluriel, avec ses parents de naissance ou dans une autre cellule familiale avec un référent paternel ou maternel? L'adopté n'arrive pas vierge de tout vécu, ce n'est pas une page blanche. Selon la culture du pays d'origine et l'environnement familial et social dans lequel il aura grandi, il aura certaines attentes et besoins spécifiques envers ses parents adoptifs.
Dans certains cas, il aura peut-être déjà appris à dire maman et à distinguer les rôles de père et de mère. Dans toutes les formations et préparations aux postulants que nous effectuons, nous insistons sur l'importance de penser et connaître le vécu préadoptif de l'enfant par rapport à l'influence éventuelle que cela pourrait avoir dans son développement durant la post-adoption. L'autre facteur essentiel à prendre en compte est l'importance de la figure maternelle chez les adoptés. Je pense notamment à la question de la recherche des parents biologiques, puisque la demande première dans les recherches est exprimée ainsi « Je souhaite retrouver ma mère biologique ». Le terme de mère a un sens particulier pour les adoptés. En effet, ils en ont forcément deux, l'une biologique, l'autre adoptive. Ils définissent leur mère biologique selon leurs propres termes, cela leur appartient. Mère biologique, mère de naissance ou encore la femme qui m'a mise au monde. Dans tous les cas, cette personne n'est que très rarement définie par le terme de génitrice, terme jugé réducteur et ne représentant pas la femme qui les a portées et mise au monde. La mère biologique existe bien au-delà du simple sens ou acte de conception. Par la suite, la mère adoptive sera souvent l'objet d'un amour infini ou à l'inverse de haine, cette ambivalence se traduisant par des comportements parfois extrêmes. Ce trop-plein d'émotions peut permettre à l'adopté d'exprimer sa blessure primitive de l'abandon qu'il a subi auparavant. Dans un tel contexte, nous nous interrogeons sur la manière dont l'enfant adopté pourra se représenter sa mère biologique, notamment dans le cas d'une adoption par des couples de même sexe masculin. Il serait important de penser à la présence d'une figure maternelle à l'une des références, ce que certains pourraient appeler tuteur de résilience. Au final, notre questionnement concerne particulièrement la prise en charge des enfants et parents adoptifs dans la post-adoption. Quel suivi et quels accompagnements ces enfants et leurs parents adoptifs auront-ils ? Par qui ? L'État a-t-il les moyens financiers et humains de mettre en place une réelle politique d'accompagnement de la post-adoption ? Les associations du monde de l'adoption sont déjà de plus en plus sollicitées. Parfois démunies, ils doivent faire face à des demandes de plus en plus lourdes et difficiles, tout en restant bénévoles et sans aucun soutien financier. Force est de constater que les parents adoptifs et les adoptés se sentent déjà parfois isolés et en totale absence de soutien et d'écoute. Concernant la réalité de l'adoption en France, nationale et internationale, cette question a été abordée par les associations de parents et les OAA. Nous faisons partie de ce constat-là également. Quel sera le contexte de l'adoption pour les couples de même sexe, étant donné le faible niveau d'adoption internationale en France ? Concernant l'adoption nationale, la France et les acteurs de l'adoption, tels que l'ASE, la DGCS, les OAA, etc., sont-ils prêts à accorder des adoptions par des couples de même sexe, à accepter en toute impartialité et à traiter les dossiers à égalité avec les autres postulants ? Nous nous interrogeons par exemple sur l'éventuelle formation des professionnels de la protection de l'enfance à l'adoption par des couples de même sexe. Concernant les modes et les types d'adoption, quelle adoption sera réservée à ces couples de même sexe, simple ou plénière ? Nous sommes ici pour rappeler que l'adoption simple est source d'insécurité et qu'elle remet en cause la filiation de l'adopté, voire sa nationalité, notamment dans l'adoption internationale. Il nous semble important aujourd'hui de défendre plus que jamais l'adoption plénière dans le cadre notamment de l'adoption internationale. En effet, il faut rappeler le caractère révocable de l'adoption simple qui peut placer l'adopté à l'international dans une situation de doute et d'instabilité quant à sa filiation. Or, les adoptés ont a fortiori besoin de sécurité. Celle-ci peut passer d'abord et avant tout par la mise en place d'une sécurité juridique via une adoption pleine, entière et irrévocable. Les adoptions simples peuvent être en revanche pertinentes dans les cas d'adoption de l'enfant du conjoint, ici d'un homoparent ayant adopté en célibataire. Ces adoptions méritent d'être considérées et étudiées au cas par cas dans l'adoption dans l'intérêt supérieur de l'enfant. Je rappelle enfin que l'adoption plénière n'est pas un empêchement à la recherche des origines. Je rappelle également que la recherche des origines n'est pas une remise en cause de l'adoption plénière. La recherche des origines n'est pas un échec de l'adoption comme on a voulu le faire entendre et comme on l'a entendu dernièrement. Je rappelle également des situations concrètes que certains adoptés font effectuer leur recherche avec leurs parents. Ils vont même jusqu'au bout, certains font la démarche de rencontre de leur famille biologique avec leurs parents adoptifs. L'adoption plénière ne change pas la question des données écrites et déposées dans le dossier. Cela a été rappelé effectivement par les associations de parents. En France, il y a l'accouchement sous X. À l'international, il y a des enfants trouvés. Il y a des interdictions à l'abandon, punies et légiférées. Dans tous les cas, la démarche de déposer ou non une identité et
un nom et une identité, voire une histoire, n'appartient qu'aux personnes qui mettent l'enfant à l'adoption. Il serait beaucoup plus pertinent de se poser la question de l'accès, j'insiste bien, à l'accès aux origines, tel qu'il a été évoqué par un parent, notamment via le CNAOP, et notamment de recueillir au maximum, à définir selon les textes de loi, une histoire de l'enfant. J'insiste bien sur le terme « histoire » et ne pas forcer au nom et à l'identité. Concernant la préparation et l'accompagnement des adoptés, une nouvelle fois, nous nous questionnons sur la préparation des enfants à l'adoption par un couple de même sexe. Comment être en accord avec les pays sources ou avec l'ASE sur l'importance d'une préparation à l'adoption pour ces enfants ? Une formation des professionnels de l'enfance intervenant durant la procédure d'adoption à l'adoption par des couples de même sexe doit être envisagée. Via un guide, une formation spécifique, des supports médias, une communication de ce sens sera-t-elle mise en place ? Il nous semble fondamental de préparer l'enfant au mieux avant son adoption, quel qu'il soit. Quels accompagnements durant la post-adoption ? L'adoption n'est pas un instant T, éphémère ou en rupture avec un avant et un après. L'adoption est une transition entre deux histoires, celle de l'enfant et de ses nouveaux parents, quels qu'ils soient. Ensemble, ils vont construire une famille à court, moyen et surtout à long terme. Adopter, c'est pour la vie. En prenant conscience de l'adoption comme une situation permanente, nous nous questionnons sur la mise en place d'un accompagnement durant la post-adoption des adoptés et de leurs familles. Il nous semble nécessaire d'accompagner ces familles dans leur évolution, tenant compte par exemple de leur construction, leur considération et répartition des rôles masculins-féminins, le développement des caractères sexués et de la différence des genres, qui ne présage pas de leur propre orientation sexuelle future, propre à chacun et non pathologique. Si des mesures préventives et des accompagnements existeront, un certain nombre de questions se posent quant à leur mise en place effective. Dans quelle structure, par quel service ? Les adoptés ont plus que jamais besoin d'un espace à eux. Nous proposons dans ce cadre l'idée de la création d'un service post-adoption réservé aux adoptés. Merci beaucoup, mesdames, monsieur, mesdames, messieurs. Donc, je vais donner la parole. Moi, je ne poserai pas de questions pour laisser le temps. Simplement pour vous dire que nous sommes tous très conscients, et notamment mes collègues, Mme Meunier, qui est rapporteure pour avis pour la Commission des affaires sociales, et les membres de la Commission des affaires sociales qui sont là, Mme Génisson, etc., qu'une réforme de l'adoption est absolument nécessaire. Ça me paraît évident. Et que donc, nous serons très attentifs à ce que sera la loi famille ou la loi bioéthique. Enfin, je ne sais pas trop ce que ce sera encore. Nous sommes tous très très conscient de ça. Simplement, volontairement, dans le texte actuel, je ne pense pas que le Sénat ajoutera des choses supplémentaires. Nous aurions été tentés, moi j'aurais été tenté par exemple, de prévoir l'adoption pour les couples pacsés, par exemple. Parce qu'on ne voit pas pourquoi les couples pacsés aujourd'hui, en majorité hétérosexuels, n'ont pas le droit d'adopter, alors que les célibataires en ont le droit en cachant leur fait qu'ils sont célibataires dans la plupart des cas. Mais bon, voilà. Donc nous ne voulons pas surcharger le texte tel qu'il est, c'est déjà assez lourd comme ça, paraît-il, enfin pour certains, mais nous serons très attentifs à la suite des opérations. Donc je donne tout de suite la parole à Michel Meunier. Ensuite, aux sénatrices, on fera un global des questions, comme ça vous aurez encore jusqu'à 10h30 pour répondre. Merci, Monsieur le Président. Merci à chacune et à chacun d'avoir parlé de l'adoption dans ces termes, parce que jusqu'à présent, j'avoue qu'on a entendu ici, mais surtout aussi à l'Assemblée nationale, pas mal de contre-vérités, vous l'avez dit, et d'idées reçues. Et on a surtout abordé les filiations sur leur angle biologique. Hein, pas seulement que les psychanalystes, mais aussi certaines personnes des ordres religieux qu'on a entendus. Et voilà, et c'est pas terminé. Donc merci à vous de nous redire que l'adoption, c'est une mesure de protection de l'enfance et que lorsqu'on parle d'adoption, on donne à l'enfant le droit d'avoir une famille. Donc moi, j'imagine que tous ces contre-vérités, ces idées reçues, ces dénigrements de l'adoption a dû traverser vos associations de différentes manières et que ça a dû aussi vous faire réagir sur l'image de vos familles, hein, puisque l'adoption existe, vous l'avez dit, de différentes manières en France. Moi, je voulais revenir sur le point l'accès aux origines. Vous l'avez abordé, Monsieur Lasserre ou Madame Parent, je ne sais plus, mais on a entendu le fait que l'adoption plénière couperait l'accès aux origines. Vous avez dit que c'était faux, donc peut-être que vous pourriez revenir là-dessus. Et puis,
Est-ce que, une question que je me pose, est-ce que c'est nécessaire dans la construction d'un enfant, d'un adulte, d'avoir accès à ses origines quand on sait qu'elles peuvent être parfois douloureuses ou dramatiques, ou parfois impossibles, hein. Voilà, donc je voulais, peut-être avec le vécu et l'expérience que vous avez au travers des parents qui composent vos associations, peut-être que vous nous disiez deux mots là-dessus. Et puis... on a bien entendu le besoin de la réforme de l'adoption avec la sécurité nécessaire, aussi bien dans le cadre juridique et caractère définitif de l'adoption plénière par rapport à l'adoption simple ou d'une troisième voie qu'on pourrait imaginer, mais que je ne souhaite pas. Merci, merci Michel. Donc, j'ai cru comprendre quand même que on a beaucoup parlé ici de l'accès aux origines. Moi, j'ai toujours été très favorable. Mais je crois comprendre, parce que de toute façon, on apprend tous les jours, que plutôt que de dire ça, c'est mieux de dire que l'enfant adopté doit connaître son histoire antérieure. Voilà. Et ça me paraît, j'ai appris ça ce matin un peu, ça me paraît être plus vrai. Voilà. Parce que dans certains cas, on ne pourra pas connaître ses origines. Voilà. Donc, mais je vous donnerai la parole après. Alors, mesdames, Madame Prince, non, Catherine Genisson. D'abord, vous remerciez, monsieur et mesdames, de vos témoignages qui sont très instructifs et qui, je pense, hein, comme vous, monsieur le rapporteur, nous posent l'obligation de revoir globalement, je pense, les conditions de l'adoption. Globalement, peut-être plus que par rapport au sujet de la nature du couple qui est candidat à l'adoption. Moi, c'est vraiment ce que j'ai retenu de vos propos, avec quand même pour tous les couples, j'ai envie de dire, des difficultés de plus en plus grandes pour pouvoir adopter. Et apparemment, ce sont des sujets qui ne pourront pas s'améliorer sur le plan international, mais sur le plan national, et je fais partie de ceux qui pensent que vraiment sur le plan national, nous avons urgence à revoir les conditions d'enfants délaissés, abandonnés, et qui pour autant ne sont pas adoptables. Donc c'est plutôt de façon globale que je vous ai écouté, entendu. À juste titre, les uns les autres, vous n'avez porté aucun jugement, et c'est légitime sur ce qu'est le mariage de couples homosexuels, que ce soit des couples femmes ou hommes, et vous ne semblez pas, au-delà du fait que vous avez émis les difficultés que pouvait représenter pour les pays proposant l'adoption ou aussi l'enfant pouvant être adopté de votre part, le fait que ça pouvait entraîner des difficultés particulières, parce que les uns et les autres, vous avez beaucoup insisté sur l'importance de l'environnement affectif dont va pouvoir bénéficier la personne adoptée, et que c'est ça qui est fondamental, et que, enfin, je pense que c'est un constat qui commence à être approprié par de plus en plus de personnes, enfin celles et ceux qui veulent écouter. Et en tout cas, merci beaucoup de vos témoignages qui sont très, très instructifs. Oui, un petit mot, moi aussi, à mon tour, pour vous remercier pour vos interventions particulièrement riches. Je rejoindrai ce que vient de dire Catherine Genisson, ce qu'a dit auparavant Jean-Pierre Michel. Nous sommes parfaitement conscients des difficultés liées à l'adoption. Vous les avez ce matin détaillées. Enrichi également, mais comme l'a dit Jean-Pierre Michel, il ne s'agit pas d'alourdir le texte tel que le gouvernement nous le présente. Ceci dit, cela ne nous empêchera pas, bien évidemment, d'insister de façon assez forte sur la nécessité de travailler beaucoup plus en profondeur sur l'adoption. Donc je pense que nous prendrons tout notre part avec force dans le débat parlementaire pour insister sur ce point qui est extrêmement important. Monsieur Delège, notre collègue qui a assisté à beaucoup d'auditions, je pense que vous lirez avec profit et intérêt dans le compte-rendu qui paraîtra sur Internet ce qui vient d'être dit, mais qu'on ne peut pas redire malheureusement, et qui est très intéressant, notamment, non, je pense aux questions. Mais vous l'auriez pu la demander si vous avez. Parce que je pense notamment aux questions que vous avez posées
chaque fois que vous étiez là, d'ailleurs, hier, etc., sur les origines de l'enfant, la place de l'enfant dans le couple, etc., etc. Et je crois que là-dessus, nous avons vu des plutôt des témoignages que des prises de position qui me paraissent très intéressants, mais on y reverra. Donc, je donne la parole à nos invités qui peuvent répondre chacun à la suite et en même temps faire un genre de conclusion. Rapidement, donc, sur la question de l'accès aux origines, je suis d'abord, honnêtement, au nom de la Voix des Adoptés, déjà premièrement surprise que l'on en parle autant dans le cadre de ce projet de loi, puisqu'a priori, je ne pensais pas qu'on se pose autant la question des origines, puisqu'on parle d'adoption par des couples de même sexe. Ça met en exergue apparemment cette fameuse question qui n'est pas nouvelle du point de vue des adoptés. Par contre, ce qui me dérange, c'est qu'on puisse en servir pour s'opposer, par exemple, à ce projet de loi. Pour répondre à votre question, madame, est-ce nécessaire à la construction d'un adulte ? Oui et non. Voilà. Il est important, effectivement, pour les adoptés d'avoir un minimum de connaissances de leur histoire, d'avoir des données. Je pense que les personnes nées sous X ou trouvées, quand c'est le cas notamment de l'adoption internationale, ces enfants trouvés ou qu'on a falsifié les documents, parce que ça existe, je parle aussi notamment des trafics d'enfants, des événements récents sont là pour nous le rappeler, forment un trouble effectivement assez important dans le sens où de qui suis-je née, voilà, c'est difficile de se construire sur rien, ils le disent, parfois j'ai l'impression d'être née de rien ni de personne, voilà. Donc effectivement, je pense qu'un minimum de connaissances sur ses origines est important. Après, c'est à l'adopté et à personne d'autre de choisir le moment de sa démarche de recherche. Voilà, nous, par exemple, on ne fait pas de démarche de recherche pour des mineurs, parce qu'on estime qu'ils ne sont pas encore prêts. Donc dans le cadre, par exemple, d'une adoption simple, ce serait lui imposer un lien et une filiation d'emblée. Via la voie des adoptés, nous avons des exemples de personnes en adoption simple ou dans des situations proches telles que la Polynésie qui a ce type de structure. Honnêtement, ça n'a rien favorisé du tout. Voire même, il y a eu des moments de rupture de lien avec la famille biologique tellement il y avait une emprise, sans parler, je parle notamment de l'adoption internationale, je rappelle des conditions financières. C'est-à-dire qu'il y a des liens financiers qui se jouent. Et l'adopté se retrouve en dette, parfois. Enfance et famille d'adoption. Je voudrais juste répondre à madame sur tout ce qui est accompagnement. Cécile Février l'a dit sur l'accompagnement des adoptés. Je crois qu'aujourd'hui, dans une réforme globale de l'adoption, c'est un accompagnement et une préparation, aussi bien des postulants, mais également des parents et des enfants qui arrivent. Je voudrais quand même rappeler que madame Rio l'a dit, le profil des enfants se modifie en arrivant en international. On voit que les enfants sont plus grands, on a de plus en plus d'enfants à besoins spécifiques, que nos enfants n'arrivent pas vierges, c'est pas une page blanche, c'est des enfants qui ont des histoires, qui ont des histoires parfois excessivement dures. Je crois que si on laisse l'adoption internationale et l'adoption nationale, parce qu'en France aussi, on a des enfants, on a des pupilles qui ont des histoires extrêmement difficiles, on ne peut pas laisser ces familles, une fois que l'adoption est prononcée, se débrouiller seules. On a aujourd'hui un certain nombre de COCA, de consultations d'orientation à l'adoption qui sont proposées par des médecins, par des psychologues, qui n'ont aucune reconnaissance légale. Elles ne dépendent que de la bonne volonté des directeurs d'hôpitaux et des médecins. Et je crois qu'il y a des CMPP qui le font également. Il est indispensable aujourd'hui, effectivement, d'avoir un véritable accompagnement du début. Du début de la démarche jusqu'ensuite à l'arrivée des enfants. Mais après, qu'on puisse avoir des ressources, ces enfants-là ont le droit. Et ces familles-là ont le droit de trouver de l'aide quand elles en ont besoin. Concernant l'accès aux origines, nous y sommes absolument très sensibles à Enfance Famille d'Adoption. Nous avons même organisé deux colloques, l'un en 2012 et l'autre qui a eu lieu il y a quelques jours, sur effectivement cette histoire, sur cet accès à l'origine.
comme l'a dit Cécile, cet accès appartient à l'adopté et à lui seul. C'est un droit, ce droit lui est reconnu, mais c'est un droit qui est personnel, ça relève de son intime. Certains ont besoin de rechercher, d'autres non, certains ont besoin tôt, d'autres ont besoin beaucoup plus tard, certains ont juste besoin, non pas de retrouver une famille biologique, mais peut-être quand ils sont adoptés à l'international, de pouvoir aller voir dans leur pays, de voir d'où ils viennent, les odeurs, le climat, la langue, l'environnement, ça peut suffire. C'est quelque chose qui leur appartient véritablement. Les parents adoptifs, je crois que nous ne sommes plus, il y a 60 ans, il y a 50 ans, quand EFA a été créé, je pense qu'il y a eu une énorme évolution. L'adoption aujourd'hui est beaucoup une adoption visible. On nous voit dans la rue, on nous voit au quotidien. Nos enfants ne nous ressemblent pas, mais ce sont bien nos enfants et nous sommes bien leurs parents. Je crois qu'il n'y a aucun doute là-dessus. Mais en tout cas, le secret, peut-être qu'il existe encore, je ne veux pas dire qu'il n'y a pas encore des personnes, peut-être, j'ose espérer que non, mais en tout cas, c'est vraiment quelque chose qui est, à mon avis, de l'ordre de 0,01%. Aujourd'hui, l'adoption est dite, l'adoption est racontée. Les parents à l'international, enfin, je pense que Madame Rio et Monsieur Lacerne le diront également, entre autres dans les démarches individuelles, c'est nous, parents, qui sommes dépositaires des dossiers des enfants. Et c'est pour ça aussi qu'il serait primordial que le CNAOP qui a été fait pour les enfants nés sous X en France puisse être étendu à l'ensemble des enfants adoptés avec un endroit où ils pourraient aller voir les dossiers. Ces dossiers, ils existent. Le service d'adoption internationale, quand il délivre les visas, a bien l'ensemble des dossiers. Les OA en ont. Mais tout ça est éparpillé. Je crois que pour effectivement permettre aux adoptés, quand ils le désirent, de retrouver leurs origines, de retrouver leur histoire, de consulter leur dossier et peut-être d'aller jusqu'à une éventuelle rencontre avec leur famille d'origine. Je ne crois pas que ce soit la réforme de l'adoption plénière qui soit la solution, mais bien la création d'un endroit qui pourrait permettre effectivement à ce que tous les dossiers soient archivés à cet endroit-là et que quand quelqu'un, un adopté devenu adulte, parce que je rejoins Cécile, je pense qu'il faut être adulte pour pouvoir aller en tout cas rechercher sa famille, puisse être accompagné et puisse être entendu dans sa demande. Les parents, nous sommes prêts à accompagner nos enfants, certains nous le demandent, et puis d'autres n'ont peut-être pas envie d'être accompagnés par leurs parents adoptifs. Ils ont peut-être besoin d'être accompagnés, mais par quelqu'un d'autre. Alors je vais en profiter, je vais vous remettre le DVD que nous avions fait de notre premier colloque, le deuxième, je me permettrai de vous l'envoyer quand il sortira, et qui parle effectivement de tout cet accompagnement, de tous ces dossiers, et que comment on ouvre un dossier, comment on accompagne un dossier, et ensuite comment on accompagne plus loin. Voilà. Merci. Merci, madame. Pour vous dire que ce que vous dites là, c'est-à-dire que soit rassemblé à un seul endroit aux archives, moi, je pense que c'est du domaine réglementaire. Et bon, ça peut faire. Donc, je crois qu'on. Michel, tu pourras peut-être, dans le rapport pour avis de la Commission des affaires sociales, le dire et le demander au gouvernement tout de suite. Parce que ça, c'est pas dans la loi, ça. Voilà. C'est la demande qu'on a fait dans notre communiqué dont parlait Marc tout à l'heure. Enfin, si vous n'avez rien à dire, vous dites... Je vais... Je n'aurais pas grand-chose à rajouter sur ce qu'a dit Cécile Février ou Nathalie Parent, car je partage leur opinion. Je voudrais simplement illustrer le propos sur les dérives actuelles en signalant juste que pour maintenir un soi-disant lien biologique, on arrive à des choses assez ubuesques, comme une décision du tribunal de grande instance de Grenoble l'année dernière rendue dans le cadre de l'adoption d'un enfant haïtien, où l'adoption plénière a été refusée et l'adoption simple a été signifiée, a été proposée aux parents, alors qu'il n'y avait aucune filiation connue en Haïti. Alors, je veux bien qu'on laisse le lien biologique, je veux bien qu'il y ait des idées sur le maintien du lien biologique, mais quand ce lien biologique n'existe pas, je voudrais savoir ce que l'on a peur de rompre. Voilà, c'est tout. C'est juste pour vous indiquer comment, de temps en temps, avec des dispositions idéologiques, on arrive à des non-sens. Vous pouvez conclure. Bien, je vous remercie. Je ne sais pas si je vais conclure. Je voudrais faire une remarque. Les questions que mesdames et messieurs les sénateurs ont posées
ne sont pas centrées sur ce qui était l'objet de notre audition, à savoir l'adoption par les couples de même sexe. Je crois, vous l'avez bien signalé, hein, qu'elle est entendue, il y a des avancées nécessaires à faire, mais vous avez plus insisté sur l'adoption, que ce soit l'accès aux origines, que ce soit différents volets, je dirais, de l'adoption. Ce qui montre bien, à l'évidence, qu'il y a nécessité d'une réforme de l'adoption, qu'on ne peut pas tout mélanger et que l'adoption ne peut pas être une petite cerise qu'on va mettre sur un gâteau dans la loi du mariage pour tous. Il est absolument nécessaire de reprendre le dossier, de reprendre le dossier de l'adoption. Je ne rajouterai rien sur ce qui a été dit sur l'accès aux origines. Je crois que la voix des adoptés, Madame Février, elle a mieux placé peut-être pour en parler. Les OA aussi ont quand même un rôle important puisque nous accompagnons dans la recherche de dossiers, nous accompagnons les jeunes. Certains en ont besoin, d'autres n'en ont pas besoin. Mais je pense sincèrement que les questions que vous avez posées mettent en évidence la nécessité d'une réforme de l'adoption et aussi d'une mesure de protection et de projet pour les enfants sur le sol français. Je vous remercie. Bon, je voudrais peut-être passer la parole à Madame Delacour, qui est la vice-présidente, si elle veut ajouter ou conclure. Non, juste quelques secondes pour reparler du cas d'Haïti, simplement, puisque d'ores et déjà, il y a plusieurs centaines de familles qui sont concernées par cette question d'adoption simple qui pourrait leur être imposée par les tribunaux. Et effectivement, les familles ressentent le besoin d'avoir un socle solide pour construire le lien adoptif et un socle juridique. Donc, ces familles qui ont adopté en Haïti depuis 2009... plus d'un millier, se retrouvent dans l'embarras dans beaucoup de cas. Il y a des disparités de statut à l'intérieur des familles. Voilà, donc je voulais souligner ce point. Pas de secret dans le cas des enfants haïtiens. 100% des enfants adoptés en Haïti savent qu'ils sont adoptés, qu'ils sont originaires d'Haïti. Il n'y a pas de secret, évidemment. Et donc, plutôt on leur rappelle constamment le fait qu'ils sont adoptés. Nous avons à les protéger et à avoir un socle solide pour pouvoir leur assurer un développement psychoaffectif le plus épanouissant, évidemment. Je voudrais rappeler que pour le CNAOP, c'est bien, et le séisme qui a eu lieu malheureusement en 2010 nous rappelle que dans les pays d'origine, il y a des aléas de tous ordres qui peuvent menacer les documents. Donc qu'il y ait conservation de documents au CNAOP, ça serait vraiment quelque chose d'absolument nécessaire. Voilà, et donc nous espérons aboutir bientôt à une solution pour ces familles-là qui vivent concrètement cette difficulté de statut. Merci beaucoup, mesdames, messieurs, pour cette audition ce matin. Je crois qu'elles ont été très utiles. Je ne pense pas que ça se traduise par des amendements législatifs, parce que le législatif, ça serait une réforme complète de l'adoption et que nous appellerons de nos voeux dans nos rapports respectifs, et peut-être dans les prises de parole qui auront lieu, et en tout cas, peut-être de mesures réglementaires que nous demanderons à la ministre, notamment à la ministre de la Famille, qui sera présente au banc du gouvernement. En tout cas, nous vous avons bien entendu, et avec Michel Meunier, je vous remercie beaucoup de ce que vous nous avez dit ce matin. Merci.